Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau coffret. Il s'agit de Ricky, le petit chien très malin. Il joue avec toi, il te fait des léchouilles, il réagit avec plus de 10 combinaisons de sons et de mouvements. Voici le dos de la boîte. On nous montre qu'il a hâte de jouer avec toi, il te donne la patte, il réagit au son en aboyant joyeusement, il te fait des léchouilles affectueuses. Et en plus, il lance son os en l'air. Bref, ce chiot intelligent adore jouer. Voici ce mignon chien en dehors de sa boîte. Il est juste trop mignon et vraiment très doux au toucher. Il monte même sa patte. Alors voici l'os, il faut juste le poser ici. Et dans cette boîte violette, il y a à l'intérieur les friandises. Nous avons aussi les instructions pour nous montrer comment jouer avec ce chien. Qu'est-ce qu'il fait avec l'os? Vas-y. Allez, allez, ouh, donne-la-moi. Bravo, gentil chien. Oh, t'es trop mimi. Et en plus, il te fait même des bisous. Il te lèche la main, le visage. Tu peux faire des câlins et regarde. Comme ça. Oh, trop chaud. Et maintenant, on va te donner des friandises pour te récompenser. Ah mais, on dirait qu'il les mange vraiment. Waouh. Il tire même sa langue. Et pour les faire sortir, il suffit de caresser son dos. Allez, bravo Ricky. J'ai adoré jouer en dehors de la vidéo, franchement, il est trop sympa. Et maintenant, nous allons ouvrir une boîte surprise des Popsy Slime Surprise. Alors, c'est parti, on déroule comme ceci. Nous avons ici les surprises, c'est ma première boîte Popsy, donc je ne sais pas vraiment comment ça marche, mais on verra tout ça. Alors voici toute la bande, nous allons commencer par cette surprise, il s'agit du Unicorn Food. Ici nous avons le Unicorn Magique. Il s'agit bien d'un petit sérum pour verser des gouttes dans le slime, et ici nous avons... une cuillère, très belle en tout cas, dorée. Ouvrons la boîte et à l'intérieur, nous avons le sachet surprise. On va voir la première surprise. Il s'agit d'un gobelet. Ensuite, nous avons quoi? Un autre gobelet et je pense que c'est à l'intérieur qu'on va faire le slime. Assez sympa. Ensuite, ici nous avons... ah oui, la surprise, il s'agit en fait d'une crotte, tout simplement. En forme de porte-clé, il y a la petite couronne, elle est très belle en tout cas. Alors nous avons aussi la brochure et la notice. Ici c'est la notice, et ici nous avons la brochure qui nous permet de voir tout ce qu'on peut collectionner à l'intérieur de ces boîtes Popsy Surprise. Et je vais commencer par verser 2 verres d'eau. Ensuite, je vais ajouter 5 gouttes de rhum. Ensuite, le Unicorn Food. Et je secoue, secoue, secoue pour bien mélanger le tout. Pendant 1 minute. Et voilà, maintenant je laisse sécher pour 15 à 20 minutes. Ensuite, j'ajouterai le Unicorn Magic. Donc, à tout de suite. Et voilà, je pense que c'est passé 15 minutes. Et voyons voir. Oula, oulala, c'est un peu liquide. Enfin, je pense que c'est un peu trop liquide. Ah, mais je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je sais pas si j'ai manqué une étape, pourquoi c'est collant. Attends, on va voir, on va ajouter le Unicorn Magic pour voir si ça change quelque chose. Parce que là, c'est trop collant. Oulala. Attendez, attendez, ouh là 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 là, c'est pas trop simple en fait, c'est pas le résultat que j'attends. J'espère que ça va changer.
Ou peut-être il faut laisser encore quelques temps. Trop collant. Alors j'ai tout mis dans le verre. Et maintenant je mélange avec la petite cuillère. Ah, je pense que ça va mieux. Il faut juste le laisser sécher. Ou le laisser encore poser quelques minutes. Bon, c'est pas grave, je vais mettre le tout à l'intérieur de la petite crotte. Je pense que c'est bon, ça va, ça... Je pense que ça va changer, il faut juste le laisser poser quelques temps. Et ben voilà, c'était le slime. Je sais pas, peut-être quand je vais rouvrir... Ouais, ça tombe pas, donc ça va. En tout cas, c'est assez marrant qu'on le touche. Et voilà tout ce que j'ai ouvert aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve très vite pour d'autres aventures. Bisous, bisous! Et voilà, Marinette, nous sommes arrivés à l'hôpital. Oui, mais je sais pas pourquoi, mais je stresse un petit peu. T'inquiète pas, Marinette, je suis avec toi. Tu sais très bien. Oui, tu as raison, mais quand même, ça fait peur, cet endroit. J'ai pas l'habitude d'être à l'hôpital, tu sais. Mais bon, comme tu dis, tout ira bien. Bonjour, je suis le docteur Barbie. Et vous, vous êtes le couple Agreste, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, super. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à l'accouchement. Mais dites-moi d'abord, c'est une fille ou un garçon que vous attendez? Eh bien, c'est une fille. Oh, félicitations en tout cas. Ne vous inquiétez pas, tout se passera vraiment très bien. Je vous invite juste à vous allonger sur ce lit, d'accord? Ok. Alors, elle s'appellera comment cette puce? Anaïs. Ah, super, Anaïs. Très joli prénom. Bon, je reviens, je prends quelques notes et après on passe à l'accouchement, d'accord? À tout de suite. Oh, Marinette, j'espère que tu n'es pas très fatiguée. Tu as besoin de boire quelque chose? Non, c'est bon. Tout va bien. Ok. Alors, si ça vous dérange pas, je vais commencer par vérifier votre cœur, d'accord? Ok, allez-y. Alors, votre cœur, super. Et celui du bébé? Ah bah super, il est parfait, tout va bien. Alors c'est parti, maintenant il ne reste plus que l'arrivée du bébé, d'accord? Vous verrez, tout va se passer naturellement. Alors monsieur Agreste, vous voulez être présent pour l'accouchement ou non? Enfin, c'est à vous de voir après. Oui, je serai avec Marinette, bien sûr. Ok, très bien, c'est parti. Et voilà, monsieur Agreste, félicitations pour votre petite fille. Elle est trop mignonne, votre petite. Merci beaucoup, merci énormément. On dirait qu'elle vous ressemble, sauf qu'elle a les yeux de sa mère. Ah bah super, c'est une parfaite combinaison. Oui, c'est ça, vous voulez la porter? Oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est la première fois que je porte un bébé, j'espère que tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Et bah voilà, à côté de son papa. Ah oui, vous avez raison, elle est vraiment toute mignonne. Et oui, je vous l'avais dit. Et n'oubliez pas, les enfants, ça demande beaucoup de travail et de patience. Mais je suis sûre que vous en sortirez. Encore une fois, félicitations, mademoiselle Agreste. Merci. Bon, moi, je vous laisse passer du temps entre familles et je reviendrai voir si, au cas où vous aurez besoin de moi. D'accord? Ok, d'accord, merci. De rien. Allez, passez une bonne journée. Oups, elle est en train de pleurer, Anaïs. Marinette, tu sais pourquoi elle pleure? Je m'y connais pas du tout. Oui, en fait, elle avait faim. Ah d'accord, finalement nous sommes une famille. Oui, tu as raison. C'est vraiment super. Et tout ça c'est grâce à toi. Et grâce à la petite Anaïs. Je pense qu'elle avait vraiment faim. Et oui, comme l'a dit mademoiselle Barbie, c'est pas facile les enfants. Je suis d'accord. Hey, j'espère que je suis pas en retard. Félicitations. Félicitations ma meilleure amie. Alors ça va, pas trop fatiguée? Non, ça va. Alors, elle est où la belle Anaïs? Ah bah la voici. Oh, elle est toute mignonne. Mais elle ressemble à toi, Adrien. Ah ouais? Oui, et elle a les mêmes yeux que Marinette. Et m'a dit donc, j'ai un cadeau pour elle. Oh, merci beaucoup, mais ce n'était pas la peine. Ah bah si, je suis Tata Alia, donc c'était normal. Alors, ça fait quoi d'être parent? Ah bah nous sommes les plus heureux du monde. Ah bah ça, c'est super cool. Oh, elle est toute mignonne cette puce. Hello tout le monde. Bonjour Adrien. Félicitations Adrien. Merci Nino.
Et toi, tu vas bien ? Oui, bien sûr, t'inquiète, mec. Alors, félicitations, Marinette. Alors, où est-elle, cette princesse ? Ah, la voici. Ah bah mec, elle te ressemble. 100%. Ah bah ça, c'est super cool. Et voilà un petit cadeau pour Anaïs. Oh, merci beaucoup. Félicitations encore une fois, mec. Merci beaucoup, Nino. T'es un pote sympa. Mais Nino, raconte-toi, c'est quand que tu te maries ? Bonne question, mais pour tout te dire, j'ai pas encore fait la demande. Ah là là, les filles, elles sont comme ça, Nino. Il faut pas trop attendre. Ouais, peut-être t'as raison. Mais bon, je vais essayer de faire vite maintenant. Eh oui, fais vite parce que tu es en train de vieillir. Ah bon, tu trouves ? Pas tant que ça. Je suis encore jeune. J'ai plein de choses à faire encore. Si tu veux. Bon bah vas-y, salut. Hein. Salut Nino. Allez Marinette, passe une bonne journée, salut. Oh Adrien, j'espère que je suis pas en retard. Tu sais, je suis sortie de chez moi dès que j'ai su la nouvelle. Désolée, je n'ai rien pu acheter comme cadeau. Ah mais c'est pas grave. J'espère que tu vas bien. Oui, oui, ça va super bien. Oh, félicitations, Marinette. Merci. Alors, c'est elle la petite fille ? Ah, mais Adrien, elle te ressemble. Merci, merci beaucoup. Kili, kili, kili. Kili, kili, kili. Elle me ressemble aussi, on dirait. Félicitations encore une fois à tous les deux. Ok, Adrien, j'espère que tu t'amuses vraiment très bien avec cette nouvelle vie de famille. Et je te souhaite que le meilleur. Et j'espère que nous resterons toujours de bons meilleurs amis. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ok, les amis, j'ai un appel très urgent à passer. Je vous retrouve bientôt. Allez, salut Marinette, salut Adrien. Salut. Eh ben, tu vois, tout le monde dit qu'elle me ressemble à Anaïs. Oui, oui, je vois ça. Tout le monde dit la même chose. Mais je suis heureuse qu'elle te ressemble. Tu es quand même le mannequin le plus célèbre, non ? Et qui sait, un jour, ce sera au tour d'Anaïs ? Ce serait bien. Alors, petite dédicace pour Candystar 114, Fan l'atelier de Roxane, Miss Chichi, Ayaya 64, Nadia Nina, Jean-Félix Moïcha, Sarah Life, Sarah El Azhari, Ali Mariama et Lovelite. Gros bisous à vous tous!